RMC, la grande gueule du jour. Alors, il faut recontextualiser tout ça. Ça se passe du côté de la cité Félix Piat à Marseille. Nous sommes dans le 3e arrondissement. Il y a un adolescent de 16 ans qui s'est fait torturer dans une cave parce qu'il vendait de la drogue. Mais il vendait de la drogue, c'est l'expression qui est employée hein, quand on lit les articles, en freelance, c'est-à-dire tout seul pour son compte. Il s'est fait choper par une bande. Il dit que ça, garçon, ça se fait pas. Tu nous dis pour qui tu travailles, tu nous dis qui tu es. Et il s'est fait torturer presque à mort hein, parce qu'il est grièvement blessé. Et donc, dans cette cité de Marseille, il y a un collectif qui s'appelle Trop Jeune pour Mourir et qui dit il faut réintroduire les grands frères. Les grands frères, c'était des interlocuteurs, des référents de jeunes adultes, plus grands en fait que ceux qui étaient parfois à ne rien faire au quotidien, des ados. Ils devenaient leur interlocuteur en disant voilà, ça il faut pas faire, si t'as un problème tu viens m'en parler et tout. Ça avait été lancé au milieu des années 80, généralisé en 1997 par le gouvernement de Lionel Jospin, et ses grands frères c'était transformé en fait en patron d'association, voire en emploi aidé. L'arrêt des emplois jeunes, ça a été ensuite 5 ans plus tard avec Nicolas Sarkozy en 2007. Donc en fait, ce que dit cette association, c'est ces jeunes aujourd'hui, ils manquent de référents. Faut-il introduire, on parle de Marseille, mais dans les autres quartiers sensibles, faut-il réintroduire les grands frères, oui ou non? 32-16, rmc.fr, à vous de prendre la parole avec les gens. Marianne Soubré, Jérôme Marty, Barbara Lefebvre. Barbara, bonne idée ou pas? Alors déjà, avant de demander la réintroduction de quelque chose, il faudrait déjà regarder le bilan. Mais les emplois jeunes, hein, parce qu'en fait c'est ça, c'était les grands frères, c'était devenu les emplois jeunes. Faut pas dire que ça s'est arrêté. Bien sûr, ça s'est arrêté sous la forme des emplois jeunes, mais les contrats aidés, c'était un peu la même chose que les emplois jeunes, oui. Parce que ça a permis, dans le monde associatif à certains, de vivre un peu de ce travail, hein, ce travail de médiation sociale, et ça existe toujours, ça s'appelle les adultes relais. Donc, quand on a plus de 30 ans, qu'on est au chômage et qu'on réside dans un quartier qui relève de la politique de la ville, on gagne à l'année à peu près un peu moins de 18 000 euros à l'année, et on est un adulte relais. C'est des contrats de 3 ans renouvelables 2 fois, c'est-à-dire que pendant 9 ans, vous pouvez être adulte relais. Donc, il y en a beaucoup dans les cités, dans les quartiers sensibles, de ces adultes relais, donc on n'appelle pas ça les grands frères, mais ça existe un petit peu toujours. Et puis vous avez ce maillage associatif extrêmement important dans ces quartiers. La Cour des comptes en 2002 avait relevé à quel point ces subventions publiques étaient distribuées sans même faire d'enquête préalable et surtout d'enquête une fois qu'on avait donné l'argent. Donc moi je voudrais bien connaître quel est le bilan de tout ça. Le bilan c'est depuis 1989, 100 milliards d'euros distribués à peu près 10% de la population française dans ces quartiers. Pour quel effet? La délinquance n'a jamais été aussi forte. Les incivilités, on n'en parle même pas. Le trafic de drogue explose avec des systèmes qui sont maintenant des systèmes mafieux. Parce que ça, quand vous en avez un gamin qui finit torturé au fond d'une cave, c'est aussi le système mafieux de ces cités. Donc ce système des grands frères, ça ne marche pas. Oui, je suis désolée, c'est la République. C'est la République. L'ordre qui doit revenir. Le système police, il ne marche pas non plus. Ah oui, il y a eu un truc en novembre 2005 qui s'appelait les émeutes, n'est-ce pas? Là, les grands frères, on les a vus. Ils se sont mis côte à côte avec les barbus pour dire aux jeunes, allez rentrer à la maison. Tu ne peux pas réduire ça. Tu es trop intelligente pour réduire juste à ce phénomène de 2005, Barbara. Non, parce que maintenant, on dit à la police, depuis les émeutes de 2005 et le traumatisme que ça a créé, on dit à la police de ne plus rentrer dans ces quartiers. Donc, ce n'est pas avec des jeunes, les grands frères, etc., qu'on va régler les problèmes de délinquance qui sont enquistés. Fausse bonne idée, même mauvaise idée. Mauvaise idée pour Barbara Lefebvre. Jérôme Marty, toi qui connais aussi ces quartiers côté de Toulouse. Tout ce qui peut diminuer la violence est une bonne chose. Mais la problématique qui se pose, c'est qu'en 10-15 ans, la violence a totalement changé. Si on prend l'exemple de Toulouse, on a des quartiers du Mirail qui sont en train de devenir comme Marseille, où les jeunes sortent des armes, parfois des armes de guerre, des kalachnikovs, pour se tirer dessus au moindre prétexte. On a des morts depuis le début de l'année, il y en a plus 5 ou 6 qui sont morts dans des règlements de compte, des gens très jeunes. Qu'est-ce que les grands frères vont faire face à ça? Je veux dire, on a une délinquance qui a foutu dehors la mafia à Marseille, qui fait pareil à Toulouse, où les gens ne s'y retrouvent plus, où ça tire à n'importe quel prétexte, on n'est plus dans un problème de gens qui sont là, de grands frères qui sont là pour empêcher des jeunes de verser dans la violence. Ils y sont déjà pour beaucoup. Sont déjà pour beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème est là. Alors après, qu'on les mette effectivement pour qu'ils s'occupent des plus jeunes, trucs, ça c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas, ou on se cache, on jette un voile pudique
sur le fait que dans un certain nombre de banlieues, dans un certain nombre de quartiers, il y a une violence. Mais non, on le sait, puisque justement, cette association, c'est ce qu'elle dit. C'est que l'ordre républicain ne peut pas tout aujourd'hui, si tu veux, que la police ne peut pas tout. Et ce qu'il faut, c'est prendre en amont, trouver des interlocuteurs qui en amènent des amorces. Ceux qui sont déjà tombés dans la violence, ceux qui sont déjà. Ils deviennent délinquants et là, ils tombent sous le coup de la loi. Mais le problème, les médiateurs sociaux, il y en a à l'appel dans ces quartiers. Allez discuter avec des gens qui s'occupent de la politique de la ville dans les préfectures. Vous avez un tissu associatif qui est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, souvent, les petites associations, c'est celles qui reçoivent le moins, alors que les grosses associations, c'est celles qui vivent aussi de toute cette situation et qui s'empiffrent beaucoup, d'ailleurs, en complicité avec certaines municipalités qui sont dans le clientélisme. Avocate. Moi, je suis toujours favorable à tout ce qui peut effectivement favoriser la médiation. Donc, sur le principe en lui-même, c'est très bien. Je rejoins Jérôme. Je ne pense absolument pas qu'un grand frère aurait pu empêcher qu'un jeune se fasse torturer dans une cave. Voilà, ça c'est une évidence. Maintenant, qu'on remette... Alors, effectivement, il y a des adultes relais, etc. Qu'on en mette plus ou mieux, oui, je pense que c'est une excellente idée. Il y a autre chose. Il y a le problème de l'ordre républicain qui n'existe plus dans certains endroits parce que... on a abandonné aussi ces territoires, on les a abandonnés à des bandes, etc. Donc je pense aussi que la police doit revenir. Mais la police, telle qu'on l'avait envisagée, telle que ça a été enlevé, en disant « oui, vous faites que des matchs de foot, etc. » Mais la police de proximité est extrêmement importante dans ces cités-là. Et je regrette, parce que c'est vrai que la police aujourd'hui est de plus en plus représentative de ce qu'est notre société, c'est-à-dire qu'elle est plus plurielle et plus diverse. Pour autant... Les gens qui viennent de banlieue ont du mal à être nommés dans leur ville d'origine, de la même façon que les Corses, qui sont policiers, ont du mal à être nommés en Corse. Parce qu'on considère justement qu'ils seraient un peu suspects, qu'ils seraient un peu plus sympathiques, qu'ils seraient un peu plus sympathiques parce qu'ils connaissent les gens. Mais en réalité, moi je pense que justement, la police de proximité doit être aussi des gens issus de ces quartiers-là, qui savent parler, qui connaissent les familles. Et moi, j'aspire à ça. J'aspire à ce que, à la fois la police, les médiateurs sociaux, les adultes relais, tout le monde prenne en charge. Et il faudra, de toute façon, à un moment aussi, régler le problème architectural. Plus tu fais des tours... Donc toi, c'est l'ensemble de la chaîne Évidemment, tu dis moi, je ferai sauter aussi toutes les barres d'immeubles. Il n'y a que moi, si tu veux. Oui, mais la rénovation urbaine, elle a eu lieu, si tu veux. Non, elle n'a pas eu lieu. Il y en a quand même qui sont tombés, les barres. 40 milliards d'euros, c'est pas rien. Parce que les zones rurales... Oui, mais je vous invite à aller voir certains quartiers, franchement. Justement, et ça, il y a des associations... pas qu'à Marseille, mais ailleurs, qui le disent. Il faut absolument beaucoup plus mettre en regard les problèmes de ces quartiers avec les problèmes de la ruralité, parce qu'il y a des problématiques qui sont communes. Bien sûr, il y a des problématiques culturelles qui sont différentes, mais il y a des problématiques économiques, de tissu, de l'emploi, qui sont identiques dans les ruralités et dans ces quartiers. Là, c'est en amont. Que les ruralités, elles sont moins soutenues quand même que ces quartiers. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la notion et dans l'appel à faire revenir les grands frères, c'est vraiment de dire il faut le prendre dès le début. Oui. Les grands frères, si tu veux, c'est préserver et accompagner et c'est anticiper. Et les parents, ça sert à quoi, dites-moi, dans toute cette affaire? Quand ils ne sont pas là, les parents, ils vont bien dérouler. Parce qu'à la base, le problème, il est peut-être là aussi. C'est l'éducation parentale. Parce qu'il y a aussi peut-être un petit problème avec... Non mais il n'y a pas que ça. Ça, je suis désolée, on ne va pas attendre que les gamins posent des problèmes pour se dire dans les familles monoparentales où la mère, si tu veux, elle a plusieurs enfants, elle doit aller faire le ménage, etc. Si tu veux, c'est compliqué. Et en plus, il y a autre chose, c'est que ça ne peut pas être que des grands frères non plus. J'aspire évidemment à ce qu'il y ait des grandes sœurs parce que ça doit être, et qu'il y ait des grandes sœurs qui s'occupent des garçons, et non pas un truc, si tu veux, les hommes qui s'occupent des garçons et les femmes qui s'occupent des filles. Je veux aussi qu'on remette aussi de la République là-dedans, y compris dans l'égalité des sexes et y compris dans la mixité. C'est toute la problématique de l'aménagement du territoire. On a manqué l'aménagement du territoire dans ce pays. On se retrouve effectivement avec des zones rurales qui sont totalement abandonnées et des banlieues, quoi qu'on en dise et quoi qu'on injecte comme argent, qui sont totalement invivables aujourd'hui. Donc si on ne veut pas prendre le problème à bras le corps, créer un grand ministère de l'aménagement du territoire, relier peut-être un certain nombre de ministères entre eux, remettre de la République dans tout ça. Mais là, tu parles d'une planification qui prend du temps face à une urgence. C'est comme les urgences à l'hôpital. Là, tu as des associations qui disent « Nous, il y a le feu tous les jours. » Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on fasse de la planification, mais il y a du feu. Alors, où est l'extincteur? Comment est-ce qu'on désamorce? Je suis d'accord avec toi, sauf que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que je suis d'accord pour qu'on remette les grands frères, qu'on repeigne les cages d'ascenseur, mais qu'on aille au-delà, quoi. Que pour une fois, on dise « Voilà, on prend le problème à bras le corps et on vous garantit que dans les 20 ans, on règle le problème. » Là, il n'y a rien de fait. Barbara Lefebvre. Je veux juste rappeler une chose.
ces délinquants, quand ils deviennent, pour moi, tu as tout à fait raison, on est au niveau maintenant du grand banditisme, mais c'est des gamins qui, en général, ont été repérés dès l'école, sont connus par les services sociaux. Donc, je suis désolée, il y a un problème éducatif. Dans ces cités-là, dans ces banlieues-là, vous avez des familles, je suis désolée, des femmes en difficulté, elles ont 4, 5, 6 enfants, il n'y a aucun problème. Et puis tout d'un coup, vous avez une autre famille qui, elle, a des problèmes, alors que vous avez le même profil social, la même situation culturelle, le même ensemble familial. Et il y a une famille qui pose problème et qui pourrit d'ailleurs en général l'immeuble ou qui pourrit le palier. Et il y en a une autre qui, elle, ne pose pas de problème. Donc je suis désolée, il y a une responsabilisation des parents. Il y a des parents, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui savent éduquer leurs gosses. Et il y en a qui ne savent pas. Non, mais Barbara, justement, personne ne dit le contraire. Oui, mais il faut accompagner ses parents. Il y a aussi un climat dans lequel ils grandissent. Non, il faut accompagner les parents mieux encore. Et les autres, on les sanctionne. Moi, dans désolée, un instant, il faut sanctionner les parents. On en parlera avec Hassan Amou, justement, le fondateur du collectif Marseille est trop jeune pour mourir. C'est lui qui demande le retour des grands frères. Est-ce qu'il a raison? Bonne idée ou pas? À tout de suite avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story au 32-16. Les grandes gueules, RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jérôme Marty, médecin généraliste, Marianne Soubré, avocate, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie. On parle de cette association qui réclame le retour des grands frères, au moins à Marseille, parce que face à la violence, elle dit que l'État montre ses limites et on a besoin d'avoir des interlocuteurs. C'est Hassan Amou qui est avec nous, fondateur du collectif Marseillais trop jeune pour mourir. Bonjour monsieur Amou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi cette proposition? Qu'est-ce que ça apporterait face à la violence, dans le combat contre la violence, alors, M. Amou? Bon, d'abord parce qu'il y a un nombre important de mineurs qui se livrent au trafic de drogue et qui est utilisé par les plus grands dans les quartiers. Et ça ne nous aura pas échappé qu'il y en a même eu qui sont morts dans la cité phocéenne ces dernières années et qui ont été totalement livrés à eux-mêmes, sans possibilité à un moment donné ou un autre de rencontrer un adulte pour peut-être essayer de se sortir dans la situation dans laquelle il était. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière, il y a un jeune de 16 ans qui a été torturé dans une cité. Alors, il n'est pas originaire de Marseille. Et là, on s'est dit que ça devenait impossible et qu'il fallait quand même qu'on réagisse. Et le système des grands frères pour nous, c'est l'idée que des personnes plus grandes puissent devenir des figures un peu importantes dans le paysage marseillais, dans un certain nombre de cités, et qui pourraient à un moment donné rattraper le gosse, à un moment où que le gamin pourrait identifier une personne à qui parler, se confier, sachant qu'une grande partie des enquêtes de police aujourd'hui en France sont aussi à un moment donné réglées parce qu'il y a eu le petit témoignage qui va bien, le petit truc qui fait qu'à un moment donné, on a pu rattraper ou essayer de régler certaines affaires grâce à ça. Et je trouve qu'il manque de liens dans ces quartiers parce que les centres sociaux n'ont plus les moyens de faire leur travail, parce que les associations pareilles, et que ça devient urgent aujourd'hui de se réapproprier ces territoires. Et quel profil pourrait-il avoir, ces grands frères? Comment est-ce qu'ils seraient sélectionnés? D'où viendraient-ils? Voilà, c'est ça aussi. Attention à ne pas se retrouver après avec des gens mal intentionnés, vous voyez, sous couvert de devenir grands frères, quoi, en fait. Bien sûr, mais d'abord, je pense qu'il faut qu'ils reçoivent une formation de médiation. À l'époque, les choses, elles n'étaient pas aussi précises que ça. D'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de leur fournir une formation, de leur donner un peu des missions fléchées, avec un programme de journée. Je pense qu'on est capable de faire ça. Tout à l'heure, j'entendais sur votre plateau que les quartiers, c'est 100 milliards. Non, c'est pas 100 milliards. 100 milliards, c'est si vous y mettiez le bâti et tout ce qu'on y a fait ces 20 dernières années. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de services publics qui n'y sont plus. Il y a la fin des contrats aidés, donc là, comme ça, on n'a plus personne dans les quartiers, ça, c'est clair. C'est des centres sociaux qui, aujourd'hui, nous, dans les quartiers nord de Marseille, on est en train de mutualiser, donc ça va être un centre social pour plusieurs cités aux alentours. Donc moi, je ne dis pas c'est soit l'un, soit l'autre, dans les missions qui peuvent être attribuées dans ces cités. C'est tout. C'est-à-dire que l'adulte relais, aujourd'hui, dans une cité, par exemple, c'est sur la base du volontariat. Donc elle se met dans le centre social, la personne, et elle attend qu'on vienne la voir. Aujourd'hui, on a besoin des gens sur le terrain qui aillent voir les jeunes, qui parlent avec eux, qui, par exemple, organisent des matchs de foot. Moi, je suis entièrement d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une figure d'autorité qui est incarnée par la police dans ses missions de répression. Et il faut aussi une figure d'animation, de conseil, de discussion qui peut être incarnée par les grands frères en organisant des matchs de foot, en organisant des sorties à la journée, en prenant un jeune, par exemple, qui ne venait pas, c'est-à-dire le jeune de 16 ans de la semaine dernière,
des quartiers nord de Marseille pour dire aux gamins, tu es dans une cité qui, à un moment donné, vit d'une violence extrême. Tu as conscience de ce que tu fais là ? S'il y avait eu peut-être ce grand frère pour lui parler, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à là, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur votre plateau. Je pense que parfois, on peut rattraper des situations, croyez-moi, en vivant dans ces quartiers, une extrémité. Alors, une question pour vous, Monsieur Hamou, Maître Soubré, Marianne. J'aimerais avoir votre optimisme, mais je pense que quand on a affaire à des criminels, c'est du réalisme, hein, mais quand on a affaire à des criminels qui vont torturer un jeune dans une cave, tous les grands frères du monde ne pourraient rien y faire. Juste une question. Quand vous dites grand frère, vous dites grande sœur aussi, j'imagine. Bien sûr. C'est le nom du dispositif de l'époque. Oui, mais j'aime pas ce nom de façon. Donc déjà, il médiateur ou médiatrice. Ouais, quoi, déjà, ce nom me plaît pas parce que grand frère, pour moi, c'est forcément. Un terme générique. C'est un terme générique masculin. Oh. Et non, c'est important. Si tu veux dire que l'autorité, surtout dans des cités comme ça, ça serait uniquement les hommes. Franchement, où il y a un maximum de familles monoparentales, c'est pas anodin. Sous-entendu, hein. Attends, j'ai pas terminé. Ça n'est pas anodin, monsieur. Donc on est bien d'accord que quand vous dites grand frère. La délinquance, c'est surtout des garçons. Elle est surtout masculine. Mais les garçons, ils peuvent aussi avoir une image féminine positive qui va les remettre dans le droit chemin. C'est pas uniquement une affaire entre mecs, tu vois. Au contraire, au contraire. Donc on est d'accord, monsieur, qu'on pourrait l'appeler autrement. On n'est pas obligé de l'appeler grand frère, mais on est d'accord que ça serait mixte. Bien sûr, mais je vous rappelle encore une fois, c'est le nom du dispositif de l'époque. On a repris le nom parce que c'est ce qui permettait aux gens de se rappeler de ce qu'était ce dispositif. Et il n'y a pas dans notre esprit l'idée que ça doit être incarné par des hommes. Mais les parents, exclusivement, parce que c'est bien beau de remettre dans les médiateurs, il y a des femmes. Oui, mais les parents et les familles, monsieur Hamou, parce que il faut les responsabiliser. Parce qu'à la limite, elles pourront dire c'est bon, c'est le grand frère qui va gérer, ou la grande sœur, ou le médiateur, ou la médiatrice. Et il y a quand même une responsabilité parental aussi. Mais, bien évidemment, on va prendre un cas simple, c'est le gosse qui ne va plus au collège, qui du jour au lendemain ne se retrouve plus au collège. Il n'y a personne pour se demander où est-ce qu'il est passé. Personne. Le rôle de ses grands frères, ça peut être ça aussi, de faire ce lien-là, d'aller taper à la porte de la famille et dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? On nous a signalé qu'il ne va plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe ?» Et à un moment donné, je veux dire, c'est ce rôle-là que peut incarner ce dispositif-là aussi. C'est-à-dire de repérer les failles et d'essayer d'avoir un dialogue permanent avec cette jeunesse qui aujourd'hui est totalement perdue dans nos quartiers. Une question, Barbara. Oui, il me semble que ce travail que vous évoquez, qui est effectivement un travail important, normalement, ça devrait être le travail des services sociaux. Après, les services sociaux sont eux-mêmes dans de grandes difficultés. Les centres d'action sociale sont de plus en plus à sec. Maintenant, moi, je vous poserai une question. Alors, à quoi sert le Conseil présidentiel des villes que M. Emmanuel Macron a constitué, notamment après avoir déclaré devant M. Borloo que ça ne pouvait pas être deux mâles blancs qui allaient régler les problèmes des quartiers. Donc, on s'attendait à ce que ce Conseil présidentiel des villes produise quelque chose. Vous êtes bien d'accord qu'il ne produit rien ? Bon, j'ai été le premier à critiquer le Conseil présidentiel des villes parce que je le trouvais inefficace et je pense que voilà, il n'en est rien sorti depuis ces deux dernières années. Mais bon, il y a autre chose qui est positif, c'est que par exemple sur l'affaire des petits déjeuners à l'école que Macron a instauré, je trouve que ça fait pas tout, mais c'est pas rien. Oui, je pense que ce gouvernement est totalement engagé sur la question. Mais quand j'attends une question de on peut pas mettre un policier derrière chaque gamin, on peut pas mettre un policier. Ok, on n'a pas les moyens. Mais à force de dire qu'on n'a pas les moyens, on abandonne totalement ces territoires sous tous ces aspects. On dit oui, mais ça, on n'a plus les moyens. Ça, financer les associations, c'est terminé parce que certains se sont gavés, certains ont mal fait les choses avec l'argent. Alors c'est plus facile de dire ça. Comme ça désengage l'État et les collectivités et ça laisse les cités face à eux-mêmes. C'est-à-dire dans ces cités aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est si on ne fait rien, ben on va aller vers... D'abord, ça existe déjà, mais les gars sont en train de faire la vie des cités. Ils financent des matchs de foot, parce que moi, je vous le dis, ça existe, avec des PlayStation à la clé, et ils achètent la paix sociale, les trafics aujourd'hui dans les quartiers. Ouais. Donc, soit on décide d'arrêter un peu d'en faire des sujets d'actualité, mais on se dit non, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on se relève les manches. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les mauvais points ou les bons points. Chaque gouvernement a failli sur la question des cités. Chaque gouvernement, à chaque fois qu'ils ont mis en place un dispositif, les deux ou trois années après, il n'existait plus le dispositif parce qu'inefficace ou parce que la Cour des comptes s'en est mêlée. Les quartiers, ça ne sera jamais rentable parce qu'il y a un retard tel qu'il faut déjà rattraper ce retard. Donc la Cour des comptes, je suis désolé, elle n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a des priorités. Les quartiers doivent faire partie de ces priorités. Merci Hassan Hamou, merci d'avoir été avec nous. Emmanuel qui m'écrit, salut les grandes gueules, si c'est pour
avoir parmi les grands fers du prosélytisme religieux aussi, voilà. Sous couvert de tranquillité. Non merci, soyons vigilants, m'écrit Emmanuel sur internet rmc.fr. Quoi. Voilà ce qui attire l'attention. Audrey qui est avec nous, elle est du côté de Marseille aussi, elle est infirmière. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Audrey, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne solution. Je vous appelle parce que j'ai vécu 20 ans moi, dans ces cités. Ouais. À Marseille. Enfin, j'ai vécu dans une cité pendant presque 20 ans. J'ai fait ma scolarité parce qu'il y avait une école qui était affectée au quartier, en fait. Mmh. Et en fait, l'histoire des grands frères, c'est ce qui a amené au grand banditisme, excusez-moi, dans les cités. Mmh. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu le manager de Jules qui était un gamin de cette cité de chez moi. Jules, c'est le rappeur. Ouais, ouais. Et ses frères faisaient partie des grands frères de cette cité. Ça ne lui a pas empêché d'être fusillé. L'histoire que vous parlez du jeune Félix Siat, là, qui a été torturé. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, mon petit frère a été hospitalisé, c'est une anecdote, pour un bras cassé. Il s'est retrouvé à côté avec un enfant qui venait de cette cité Félix Siat. Et en fait, ses fameux grands frères de la cité lui avaient demandé de faire une course. Donc ce gamin, il est allé faire une course, il avait 6 ans. Il a été violé par ses grands frères tout en haut de l'immeuble. Donc en fait, de remettre les grands frères, ce serait une catastrophe. Parce que c'est ce qui a amené au grand banditisme, ça serait encore de l'entre-soi. Et le truc, c'est que la plupart de ses grands frères, soit ont fait des stages à la prison de Beaumet, soit à la prison de Luynes. Ça a été une catastrophe. Donc tout à l'heure, je vous écoutais, je suis plus ou moins d'accord un petit peu avec tout le monde. Mais dans ces cités, il faut y vivre pour voir comment ça se passe. Ben, on est dans un espèce de... Pourtant, nous, on avait des profs à l'époque. Enfin, on essaye constamment de substituer le rôle des parents. C'est ça. Nous, regardez, pourtant, on était issus de familles pauvres. Mes parents n'avaient pas d'argent. Mes amis de quelques religions, de quelques origines, que vous soyez portugais, italien, espagnol, maghrébin, n'importe qui, du moment qu'ils avaient des parents qui leur interdisaient de jouer à l'extérieur, qu'ils étaient derrière malgré leur situation économique et sociale difficile, ils ont pratiquement tous réussi. Parmi mes amis, j'ai une préparatrice en pharmacie, une substitut du procureur, une qui est maintenant juriste en droit commercial. Moi, je suis infirmière, c'est pas non plus, voilà. Bien sûr. Une autre qui est maintenant chef de caisse dans une grande ancienne, chez Carrefour. Mais Audrey, ce que vous décrivez, c'est très bien. Sauf qu'il y a le constat inverse. C'est-à-dire que là, vous nous parlez de parents qui ont réussi à tenir leurs enfants, mais aujourd'hui, il y en a qui n'y arrivent plus. Il y a des femmes qui sont seules ou des hommes qui sont... Vous savez comment ça se passe ? Ce sont les moyens qui s'occupent des petits. À 5 ans, ces gamins sont dehors, sont dans la rue, on les a vus. Mais justement, c'est là qu'est le problème. Donc comment vous les récupérez ? Comment vous vous occupez d'eux en bas de l'immeuble ? À un moment donné, peut-être mettre des médiateurs, de prendre cet enfant, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, ils habitent où, ramener des enfants aux parents. C'est ce que disait M. Hamou. Responsabilisation des parents. Là, tout à l'heure, vous parliez de la rentrée, de la prime de rentrée scolaire. Oui, l'ARS, oui. La plupart de ces gamins, ils n'enverraient pas 1 euro. Ouais. Vous savez ce qui se passe, les centres commerciaux. Moi, j'ai un ami qui a un magasin, vous savez, d'électroménager. Ils font le plein. Les parents, je vous jure, je pense qu'au niveau des affaires scolaires, il faudrait faire des bons. Des bons pour le sport, bons pour la bibliothèque, des bons pour une ancienne de livres, par exemple, Cultura, n'importe quoi, pour du matériel scolaire. Il faut arrêter de donner de l'argent. Sincèrement, je pense que vraiment, pour y avoir grandi, des parents qui étaient derrière nous, il n'y avait pas de problème. Ce sont des gamins qui sont... Audrey, mais j'entends ce témoignage par rapport aux parents qui tiennent, mais quand ils ne sont pas là, quand elle nous dit elle-même, les enfants sont en bas, qui prend le relais? C'est la question aujourd'hui. C'est pas une question de prendre le relais, on le voit dès maintenant, on commence à pouvoir voir dès la maternelle, dès les premières années de primaire, on voit les familles qui dysfonctionnent, les gamins qui arrivent pas propre à l'école, qui ne mangent pas à leur faim, dont le travail n'est jamais fait, etc. Il y a des parents qui pourraient être suivis d'abord par les services sociaux, mais vraiment suivis. Mais il n'y a pas les moyens pour ça. Il n'y a pas les moyens, mais on ne s'en donne pas non plus les moyens parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est pas bien de surveiller les familles. Ah, mais les pauvres. » Parce que vous avez aussi tout ce discours misérabiliste vers certaines familles. Je suis désolée, encore une fois, il y a des familles pauvres qui s'en sortent et il y a des familles qui sont même pas dans cette situation de précarité, de difficulté et qui, elles, font n'importe quoi avec leurs gosses. Moi, le problème, c'est que quand vous commencez à voir les prémices de la délinquance,
délinquance. Parce que vous savez, certains gamins, ça commence dès le CM1, CM2, 6e. Là, il faut commencer à les taper. Oui, mais ça, c'est toute la chaîne, y compris quand un médecin regarde, remarque, fait un signalement. Dans ces cas-là, il faudrait qu'il ait le pouvoir aussi d'interpellation des pouvoirs publics. Oui, mais je suis désolée. Tu parles uniquement par la sanction, Barbara. Si notre système fonctionnait. Sanction des parents, oui. Non, mais je suis désolée. Si notre système fonctionnait, effectivement, tu peux avoir des signalements aussi bien par les médecins ou par les profs. Enfin, je veux dire, le problème, c'est que notre système aujourd'hui... Non, mais attends. Notre système aujourd'hui fait que tu n'auras pas derrière le relais des services sociaux, etc. Notre système aujourd'hui fait qu'un enfant qui est placé, il peut très, très bien tomber, mais il peut aussi aller de foyer en foyer et avoir un avenir qui ne sera pas meilleur que s'il était resté chez lui. Mais on ne se donne pas, en fait, les moyens aussi pour permettre aux enfants de rester chez eux avec un encadrement des parents défaillants, parce qu'effectivement, ce sont des parents défaillants. Ça arrache le cœur des profs, hein, quand on... Mais oui, mais si tu veux ça, le problème, c'est que dans un monde idéal, oui, bien sûr, tout de suite, tu repères le gamin qui a des problèmes, tout de suite, il est placé au bon endroit, etc., etc. Mais ça ne marche plus. Et c'est vrai que c'est très concret ce qu'il nous disait, en fait... Monsieur Hamou, voilà, et puis Audrey, surtout, là aussi. Oui, et Audrey, c'est que... Au final, on est chacun dans son problème et qu'il n'y a pas un relais de personne. Donc remettre des grands frères quelque part, en fait des médiateurs, ça permettrait ce relais. Jérôme, très rapidement, on est dans, quand je disais que la violence a changé, c'est que la violence, elle est d'abord subie. Et elle est subie par les filles comme par les garçons, et en particulier les jeunes âges qui servent de guetteurs, qui servent de chair à trafic pour les trafiquants. Et ça, c'est un réel problème. Et on ne me fera pas croire qu'un grand frère, tout instruit qu'il soit, tout fort qu'il soit, pourra se mettre devant des trafiquants qui se servent de gosses comme de chair à trafic. C'est pas vrai. Quand ils vont perdre leurs gosses qui leur servent à leur trafic, ils vont aller casser la gueule au grand frère et qui pourra rien faire. Parce que la violence est telle aujourd'hui dans ces quartiers qu'il n'y a qu'une réponse possible, c'est celle de réinjecter la République dans ces quartiers, qu'il n'y ait plus. Quand on me parle de services sociaux ou de médecins, je suis désolé, mais dans ces quartiers, ils n'y sont plus. Il y a beaucoup de quartiers qui sont, les enfants sont déscolarisés et ils sont désanitarisés, si le mot existe, parce qu'il n'y a plus de services de santé dans ces quartiers. Tout le monde a déserté parce que c'est impossible. Parce que quand vous êtes médecin là, vous vous faites attaquer. Donc ils partent. De toute façon, l'idée. Le service public qui reste, je rappelle toujours, c'est toujours l'éducation nationale. Hein. Oui. C'est toujours le dernier qui reste. Dans tous les cas, l'idée telle qu'elle a été lancée, ce qui a donné lieu à notre débat, et encore merci à Audrey de ce témoignage poignant. Grand frère dans les quartiers, bonne idée, vous me dites non. À 56% sur rmc.fr et on est un non à plus de 61% sur Twitter.